le Crédit Agricole Charente-Périgord et le Crédit Agricole Charente-Maritime de Sèvres répondent aux questions les plus fréquemment posées sur la transmission d'exploitation agricole. Quelles sont les contraintes liées à la cession du foncier viticole ? Lorsque l'on veut céder du foncier viticole, il faut faire attention car parmi les contraintes, il y a les nombreux droits de préemption à respecter. La SAFER peut intervenir, peut avoir son droit de préemption, un locataire peut avoir son droit de préemption, une collectivité locale peut avoir son droit de préemption. Ce sont autant d'obstacles à franchir et de délais à respecter. Donc il faut être prudent et anticiper. Ça, c'est lorsque le foncier, on en était propriétaire, mais souvent on est aussi locataire du foncier, et là c'est la question de la cession du bail, donc là aussi il faut anticiper pour avoir soit l'accord du bailleur, ou à défaut d'avoir l'accord du bailleur, penser à se faire autoriser par le tribunal pour une cession judiciaire du bail. Et constater bien sûr tout ça par écrit.